Nous sommes en train de coordonner la réponse de l'État, à laquelle nous associons aussi des ONG. Et l'idée est principalement de répondre aux besoins qui sont exprimés par les autorités indonésiennes. Notre aide à nous se concentre sur deux secteurs d'aide, on va dire deux clusters pour reprendre la terminologie humanitaire. Le premier, c'est la production d'eau potable et le second, c'est l'électricité. On est juste le module logistique qui allons accompagner tout le fret du détachement. Donc il y a à peu près 80 mètres cubes de matériel, notamment de traitement de l'eau, puisque l'ensemble du détachement qui part séparément va être déployé là-bas à Palu pour faire du traitement de l'eau. Donc nous, on est chargé de faire tout l'accompagnement du matériel pour l'amener là-bas, et que ça se déroule dans de bonnes conditions et que surtout tout arrive, parce que sans matériel là-bas, on aura du mal à travailler. Arrivé à Palu avec 32 personnes. Ils ont fait jonction avec les 4 personnes qui avaient été projetées ici hier. Pour l'instant, notre priorité va être de réceptionner l'ensemble de notre fret, de contrôler que nous avons tout, de faire un inventaire précis et d'établir les contacts avec les autorités locales pour disposer de vecteurs pour pouvoir acheminer ce fret sur notre future zone d'opération. Là, on va effectuer des analyses préliminaires qui vont être déterminantes pour notre implantation. Ammonium, on est à 3. La qualité de l'eau, ça va induire beaucoup de facteurs pendant la production, déterminer ou non s'il y a des risques de type pollution industrielle, s'il y a des enjeux au niveau de la sécurité, pour permettre une production de l'eau optimum en étant au plus proche de la ressource et d'avoir la base de vie vraiment à proximité du site de production. Ça, c'est vraiment des facteurs majeurs pour permettre une évolution au sein de la mission dans les meilleures conditions. Sur le premier lieu de distribution de l'eau produite par la station, un lieu identifié évidemment en étroite concertation avec la mairie et les autorités locales. Et nous y rendons maintenant accompagnés du représentant du ministère des Travaux publics indonésien. Secara ini untuk kita bilang bisa, silakan bisa ya, oke? Terima kasih banyak ya. Oke. C'est quand même un sentiment d'émotion de voir que cette aide française, cette eau potable qui arrive comme ça de notre station,
secours a été vraiment attendu. Il y a eu un attroupement immédiat autour du camion de pompiers. Et puis les gens étaient très reconnaissants. Bien sûr, on aurait pu faire, comme d'autres, un chèque à la Croix-Rouge. C'était sans doute utile, mais là on voit qu'on fait la différence, qu'on aide concrètement les gens. Ça, c'est vraiment très touchant. Et voilà, on se sent fier de représenter un pays capable de faire ça. Voilà. Toute cette équipe de France a formidablement bien fonctionné et c'est vrai qu'on ne peut qu'en être heureux dans, évidemment, une situation qui était absolument terrible.